Allez, go! C'est parti pour cette nouvelle journée de jeu. Enfin, si je clique là où il faut. What the? Mais non, mais. Bah, ça commence. Je vois que j'ai accidentellement coché un truc que je voulais pas cocher. Bref. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, ça va, mais. Comment vous dire? J'ai envie de dire que je ressens comme une forme, une espèce de fatigue. Je passe bizarre. Peut-être que j'ai un. Ce que je disais à l'ami Bastos hier soir sur son direct, j'ai peut-être une forme de lâcher prise. Donc c'est pas plus mal. J'arrive pas à voir mon jeu en plein écran. Bah tiens, du coup, je vais vérifier le signal que je vous envoie. Enfin, si j'y parviens. Bonjour, la Razmoket. J'espère que tu vas bien. Oh, je suis agréablement surpris de te voir aussi matinal. Il n'y en a pas beaucoup des matinaux chez moi. Sans offense, sans critique. J'espère que tu vas bien en tout cas. Merci à toi d'être là, la Razmoket. On y croit. Je sais plus du tout ce que j'étais en train de faire. Mais alors plus du tout. Ah si, j'étais sorti de l'arène de du vilain là. Rice, le vilain. Oui, je lui ai coupé la main dans la cinématique, le truc bien barbare. Enfin, en même temps, il l'a pas volé. Et oui, d'ailleurs j'avais été dépouillé. J'avais été dépouillé, il faut que je refasse mon inventaire, moi. Oui, ça me fait bizarre d'être aussi léger en matos. Ouah. Mais normalement tout le reste est dans mon sac. J'allais dire dans mon sac à main. J'ai quasiment pas de quête secondaire, à vrai dire. Localiser les personnes qui peuvent nous venir au secteur 0. Certains 5. Ouais. Oh là 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 là. Ouais, bah ça va, ce que je disais tout à l'heure, en fait. Enfin, il y a 5 minutes, Razmoket. Un sentiment bizarre d'avoir une forme de fatigue. Je sais pas si. Je me sens un peu bizarre, je dois dire, aujourd'hui. J'ai une certaine ivresse de me dire qu'aujourd'hui je peux totalement jouer du matin au soir. Là, je vais peut-être garder mon antenne jusqu'à 21h. Enfin, à peu près. Je vais faire une coupure entre 13h et 15h. Parce qu'en début d'après-midi, j'aurais appelé de la famille. Je sais pas, j'ai une forme de lâcher prise, comme je disais chez Bastos hier soir. Ça me fait bizarre. Ça va dans l'ensemble, hein, je te rassure. Mais je dois avouer que je me sens dans un état un peu particulier aujourd'hui. C'est bizarroïde. C'est pas désagréable, mais c'est. Je sais pas. Toi, ça va comme quelqu'un qui n'a pas dormi. Ah merde! Ah merde! Si tu souffres d'insomnie, c'est pas cool. Non, moi, je me suis écroulé tôt. Enfin, tôt. D'autres personnes diront que c'est normal, mais. Hier à 23h, je dormais déjà. Je crois que je me suis allumpioté ou je me suis assoupi devant mon ordi. Il était 22h30 et après j'ai filé au lit. Je n'ai même pas salué, je crois, ceux que je suivais sur Twitch, dont Bastos. Non, je souffre de séquestration. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, malheureuse? Qu'est-ce que tu me racontes là? J'en suis décontenancé. Tu souffres de séquestration. Mais quelle horreur! Oh là là, parle pas de malheur.
On masque les trucs la nuit, on appelle. Oh! Eh, alors là, sérieusement, les téléphones, il faut savoir les moyens de communication, il faut savoir les maîtriser, dans le sens, les neutraliser pour avoir la paix, hein, sinon t'as plus de vie. Faut arrêter la déconnade. Hein. Tu pourrais me joindre sur mon téléphone fixe, tu sauras que mon répondeur, il est net dans la règle. Depuis un peu avant le confinement, j'avais mis en place cette règle sur mon répondeur. Je dis clairement que je ne consulte mes messages que le dimanche soir, histoire de bien calmer les excités. Que je ne veux pas d'appels commerciaux. Et que c'est à celui qui me sollicite de me proposer un rendez-vous ou une plage de rendez-vous. Et c'est moi qui rappelle pour dire si je suis d'accord pour convenir d'un rendez-vous. J'ai une paire royale depuis 3-4 ans. Alors, tu sais, j'ai les appels indésirables de commerciaux, là. Mais ça sonne creux, hein. La plupart du temps, en journée, j'ai le téléphone qui fait bip, bip, bip. Ça me va très bien. Non, en vrai, ça te dérange pas l'appel? Ah oui, alors moi, ça me rend fou. Pourquoi il y a un canal ici? Attends, déjà, j'ai plus d'armes. Attends, mais je suis où là dans le jeu? Ah, d'accord. Ok. D'accord. Pardon, je reviens au jeu parce que je suis. Attends, pourquoi j'avais pas d'armes? Ah oui, j'étais à poil quoi. Ah oui, non, je peux rien faire sans mon arc, moi. La vache. Là, les armes, toi. Oh là, j'ai la collectionnite. Hein. Eh, mes kits de soins, je me mets 34. Oh là là, ça, j'aurais dû le faire hors antenne, pardon, mais. Mes crochets, où sont mes 500 crochets? Oh là 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 là. Bon, là, j'ai envie de dire, déjà, j'ai quasiment l'essentiel, mais. La caisse humanitaire, machin. Oui, j'ai des trucs à donner. Les pétards. Wouah, j'en ai 230. Bah, je vais m'en prendre une centaine. Je suis un fou. Bon, bah, c'est bien, j'ai de la réserve. Ah, grappin. Je savais même pas que j'avais deux grappins. Je ne peux rien faire sans le grappin. Et oh, faut arrêter la déconnade, les gens. Quelle idée de m'avoir dépouillé à ce point. Faut que je fasse mon Iron Man, là. Mon ninja. Attendez voir. Que dit le jeu? Oh, après. Ah, c'est vrai que les cocktails Molotov. Les cocktails Molotov, c'est pas. Putain, mais j'ai des armes de lancer. J'ai des trucs de malade. J'ai vraiment des trucs de malade. Cocktails Molotov, ouais, je veux bien les retrouver. Surtout que j'en ai pas tant que ça. Je vais pas pouvoir faire souvent mon incendiaire, excusez-moi du peu. Qu'est-ce que. Ouais, je vais essayer de me faire des armes cool. Une pioche antique, ça fait mal, ça, non? Allez, je vais me prendre une pioche antique. Et. Ouais, une machette de chasseur, non? Une machette tantôt, une machette panga. Allez, la petite tantôt. Je dis la petite parce qu'elle va. Elle fait pas beaucoup de dégâts, mais au moins je vais l'utiliser à donf et puis. Ce sera ça de fait. Alors. Ah oui, non, je croyais que tu m'avais écrit davantage la rase-moquette. J'espère que Torota va bien. Je sais que t'es sa modératrice. Parce que là, je crois que ça fait 2-3 jours, je l'ai plus revue en ligne. Alors j'espère que Torota va bien. Et qu'il vague normalement à ses occupations.
Oui, hier il était sur le live de Valencia cette nuit. D'accord, ok. Au moins il se prend du temps pour se détendre, se relaxer. Merci pour l'info. C'est bien. Fabriquer. Hop là. Non, j'ai pas ce qu'il faut. Ah oui, merde. Oui, non, c'est parce que je connais les recettes, mais je peux pas les appliquer parce que j'ai rien, c'est ça? Effectivement, c'est un peu con. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre d'avoir du matos avant de refaire des. Je vais garder ce que j'ai dans le sac, voilà. Et le reste, je vais m'adapter. Merde. Alors. Merde. Ça commence mal. Ah! Mais. Ah oui, mais ils ont perdu en. Ah, d'accord! Ah, c'est le radeau de la Méduse. Les mecs, ils vont se barrer, en fait. Parce que ça, c'est l'ancienne zone de sécurisée. Ok. Ils sont laissés déborder par les zombies. Voilà pourquoi j'étais perturbé dans les repères. Ok. Ah oui, le gros merdier. Bon, attends. J'aimerais ne pas faire de gâchis de balles et bien lui mettre dans la tête. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Allez, un petit amusement avec les flèches explosives. C'est tellement drôle. Hein, madame? C'est moche. Aïe aïe aïe. Non, encore un boss là-bas? C'est pas vrai. Eh ben dis donc. On n'est pas dans la mouise. On n'est pas dans la mouise. Moldi, moi. Burp. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai déjà le droit à un excité. Oh, le con. Ah bah voilà. Hop, il est mort. Quoi? Ah oui, c'est que les excités, eux. D'accord, tout va bien. Attends. Attends, faut que je reprenne mon endurance là parce que. Oh. Oula. J'entends des gars. Bonbonnes de gaz. Ah non, c'est un boss carrément. D'accord. Enfin, un boss. Si, je le considère comme un boss. C'est des sacrés loustiques. D'ailleurs, que je pourrais peut-être avoir de manière ridicule, non? Ah non. Ah non. Il... Ah ouais, ben, il arrive à me toucher. Merde. Il a plus de portée que je ne pensais. Donc, faut que j'arrête mes âneries. Ah là 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 là. Ah, il y a un malheureux qui appelle à l'aide. Attends, j'allais dire qui est le zombie, qui est le gars sauvé, c'est horrible. Hein. Mais sur le coup, c'est bien. J'ai bien failli rester. Et pourtant, tu t'en sors vachement bien. Le geste était parfait. Par contre, par là où il passe, c'est casse-gueux. Bref, ah, un excité m'a repéré. Une excité. Bonjour madame. C'est horrible. Encore?
Mais c'est pas vrai. Oh là 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 là. Alors pardon, je rappelle que ma chaîne est interdite aux mineurs vu la violence du jeu. C'est un épouvantable carnage. Donc ma chaîne est Deathwet Plus. Merci de votre compréhension. On a discuté quand j'ai rétabli les communications radio. Tu devrais la contacter en arrivant là-bas. Ouais, c'est une bonne idée. Merci, Bracken. A plus. J'entends une excité, mais... Alors, je l'ai sur le radar, mais... Ah si, elle m'a retrouvé. Elle m'a retrouvé. Bonjour, l'excité. Qui arrive à me faire bien mal, d'ailleurs. Voilà, c'est fini. Je l'ai littéralement planté. Ah, violence. Oh, je me laisse impressionner par un panneau de circulation. Oh, ouf. Ah, oh, elle a failli me... Elle a failli me pécho, la madame. Bonjour Dragon Sky, oui je suis un matinal. Bah écoute, je suis réveillé depuis 6h du mat. Donc le temps de faire mes gestes habituels du matin. Exception faite que j'ai pas ouvert mes volets parce que je sais qu'il va y avoir un temps pourri aujourd'hui. Voilà. Je suis déjà là. Honnêtement, j'aurais voulu, tu sais, jouer la course contre la montre et diffuser le plus tôt possible. À 7h pile du match, je diffusais déjà. Je diffusais avec ouverture de mon carillon, là, qui donne l'heure. Mais je me suis dit, je suis pas là pour ça. À part ça, j'espère que tu vas bien, mon cher Dragon Sky. Bon courage à toi si tu te prépares pour aller bosser. Sachant qu'on est dans une nouvelle journée de manifestation et une grève. Je suis bien content de pouvoir rester chez moi. J'ai déjà pété mon piolet. Oh la vache. Alors, j'ai déjà commencé à ramasser des objets sur les zombies, sur mes victimes. La question est, est-ce que j'ai déjà de quoi pouvoir refaire des plans? Visiblement non. Non, non, en fait, j'ai pas ramassé ce qu'il fallait. Faut vraiment aller dans les boîtes, dans les containers... qui se trouve sur les... Comment on appelle ça? Dans les apparts, les habitations. Ou dans les coffres de voiture. Ah, et ben voilà! Câble électrique, par exemple. Je sais pas pourquoi, mais passer dans le tunnel, je la sens pas du tout. Mon grappin, il est là, mon grappin. Comment je faisais? Ah oui, voilà. Oh! Ah ouais! Ok. Non mais c'est un petit havre de paix ici! Attends, et il descend par là? Ah ouais! Ça, c'était doué en escalade, il y a de quoi faire. Waouh! Bon. Oui, c'est tout proche dehors hein, quand t'as ouvert tes volets. Oui, bah moi je me refuse à les ouvrir. Je crois que je vais quasiment pas les ouvrir sauf dimanche. Sur Nancy, il y a le soleil qui revient dimanche d'après les prévisions météo. Et là, je vais les garder fermés pendant 3 jours d'affilée. Hein.
Autant faire des économies de chauffage, et si c'est pour déprimer, non merci. Je préfère être en votre compagnie en ligne et être à la lumière artificielle. Merci, vive le confort. Hein. Il y aurait moyen de... Attends. Il dit que je peux... Ouh, c'est un costume et ça. Je peux vraiment passer... C'est bizarre, il me dit que je peux... La physique du jeu par moment est étrange. Alors, je dis... Oh, c'est quoi ces pneus? C'est quoi ce délire? Ouais, c'est bizarre. Bon, je vais pas essayer de tordre le bras au jeu parce que je vais me retrouver dans un truc buggé, ça va casser l'expérience de jeu. Mais alors mes rediffusions Twitch, je les décale par semaine en programmation première YouTube. Alors attention Dragon Sky, de ce que je connais de la notion de déclarer une vidéo en première. Sur YouTube, normalement tu t'engages à être présent sur ton chat YouTube, à répondre à ton public en direct au moment de l'heure de diffusion de ta vidéo quoi. Tu m'intrigues quand tu dis que tu fais de la programmation en première YouTube. Si on parle de la même chose, fais gaffe parce que c'est un coup à ce que tu te fasses sanctionner par YouTube. C'est un mode spécial hein, de dire que tu déclares un contenu en mode première. C'est une coche à cocher, je crois, quand tu nourris le monstre qui est YouTube en contenu vidéo. Et t'es censé t'engager à répondre en direct à ton public dans le chat de YouTube. Oui, j'allais dire, j'ai une lampe torche. Excuse-moi, en même temps, j'essaye de faire mon jeu et te répondre simultanément. Ah, les fourgons de police, c'est toujours très difficile à crocheter, mais le butin en général est énorme. Du genre pistolet mitrailleur. Ouais, alors, j'ai pas trouvé le moment où... j'ai perdu la main. Ah! Quelque part par là. Ah, voilà. Coup près d'abattoir unique, bien. Et des missions de carabine. Oh, ça me fait bizarre d'avoir besoin de munitions. J'ai vraiment été dépouillé de chez dépouillé, hein. Ça déconne zéro. Je déverrouille des accès. Ah, des mâles au cadeau, moi je suis pour. Oh, difficile!
Je jette un coup d'œil de temps en temps dans le chat. Que je loupe pas les échanges qu'on a entre nous. Bien que vous me connaissiez, je me laisse souvent complètement captiver par ces aventures folles. Vache. Wouh. Oh bah alors si j'ai la touche qui est pas... Alors attends, pioche antique fabriquée. Ah, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Il faut que je continue d'écumer des boîtes, etc. pour me refaire un stock potable de base Ah bah. Alors, je pense que celui-là, il est éventré comme fourgon. Ah non! Non, non. Ah merde, je peux encore avoir une bonne surprise dedans. Ah. Merde, c'était par là. Ah bah c'était carrément au zénith. C'était à la verticale. Encore un couperet d'abattoir unique. Ah bah. Bon là, ça va, j'avais... l'inventaire plein. Me sens rassuré quand il me dit que j'ai un inventaire plein. C'est beau, c'est la richesse. Oula. Bah alors. Ah, c'est parce que à la base le zombie était enflammé, il a foutu le pied dans une mare d'hydrocarbures, ok. Je viens de comprendre ce qui vient de se produire. D'accord. Ah merde. Là. Ah c'est sport, la vache, l'énergie qui demande les Mickey. Merde, je suis tombé dans le bus. Alors ça, c'est pas... C'était pas souhaité. Coucou. Voilà. Parce que je suis en train de me faire tabasser. Bonjour, Twinsen. Comment qu'il est retombé dans le bus? Bah alors? Mais il est fou. Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Je reste pas, je viens d'arriver au boulot. Oui, bah bon courage à toi. C'est gentil de faire un coucou, tu une scène. Bon courage à toi. Ah là là. Et ouais, et t'en as bien du courage. On en avait encore discuté hier. Mais merci du coucou, ça fait plaisir. Tu repasseras vers... ouais, en vocal si c'est dispo. Je t'avouerai que je sais pas ce que je vais faire cet après-midi. Mais ouais, tu... t'inquiète pas. Si j'ouvre la vocale, j'aurai plaisir à t'accueillir, tu une scène. Bon courage pour ta journée de boulot. Alors là, comme j'ai la chance de pouvoir glandouiller aujourd'hui, je vais pas m'en priver.
Attends, je suis encore loin de ma destination, moi, alors que la nuit va se pointer et que je vais me retrouver avec des rapaces. Encore quelques heures pour récupérer ce jeu avant 17h. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et sur l'Epic Game Store, exact. Exact, exact. Ah, dommage, j'ai cru qu'il allait réussir à choper le... Mais non. Voilà, c'est des choses comme celle-ci qu'il me faut pour améliorer mes armes. Du coup, je finis par avoir le doute. Est-ce que je peux me fabriquer un truc? Ah, une clé de Benjamin Franklin. Bien. Et ben voilà. Je suis de retour aux affaires. On va dire ça comme ça. Ou pas. Oulala. Là, pareil. Ah non, merde, le coffre est éventré. J'ai cru qu'il était fermé, mais non. Oh là 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 là. Ah, ce boxon, c'est d'une tristesse. Alors, je suis proche de mon... Putain, je l'ai pas vu, elle m'a fait peur. Je suis proche de mon point de rencontre. Ah oui, bien. Bien, bien, bien. Lui, il est mort. Ah oui, il est vraiment mort, mort. Merde! Oh la chute! J'ai complètement merdé mon... Je voulais pas faire ça. Comme ça qu'on réalise une chute mortelle. Alors, mon point de rendez-vous est au-dessus. Pourquoi c'est... Ok, c'est limite si j'ai pas claqué la bise aux zombies dans l'obscurité. Tout va bien. J'ai pas tout compris. Pourquoi il dit d'aller vers le haut? Ah bah attends, je vais faire usage du grappin si je peux. Voilà, de l'intérêt d'être super équipé. Ouais, d'ailleurs on voit le point de... d'escalade. Attends. Ils sont là. Mais comment on entre? Ah, c'est par là, d'accord. Ok. Ah, oui, ok. De toute façon, c'est la nuit qui arrive, je crois, dans le jeu. Ouais, dans un quart d'heure dans le jeu, il y a le... Tu veux quoi? Je cherche les sauveurs. Je sais même pas de quoi tu parles. C'est Brecken qui m'envoie, de la tour. Je m'en bats d'où tu viens. T'as intérêt à te casser ou je vais commencer à plus être aussi poli. Je sais que tu fais sortir des gens du bidonville. Est-ce qu'il y a une nana qui est passée? Jade? Je crois que tu ferais mieux de dégager. Écoute, c'est moi qui ai charcuté Rice. Et je sais que ces gars me cherchent. J'ai besoin d'un coup de main. Sérieux? C'est toi qui as coupé la main de Rice? Ouais. Et là, je dois passer dans le secteur zéro. Tu t'appelles comment? Crane. Eh ben Crane, tu vas être déçu si tu penses que passer dans le secteur zéro te permettra d'échapper à Rice. Bon, attends. Mmh. Y'a un gars qui dit qu'il a tranché la main de Rice. Hey. Ouais, c'est ce qu'il dit. Vraiment? T'es sûr? Hein? Ok, entendu. Pas mal la narration. Viens là. Ah. Merci. Enfin, ah oui, non, c'est faut bon. Que je... On va te faire passer. Quand? Maintenant. Et c'est combien? Ce que t'as fait à Rice, ça nous suffit largement. Va dans le tunnel effondré qui menait à la vieille ville. Tu frappes à la porte qui va aux égouts et quelqu'un viendra s'occuper de toi. Entendu. Merci. Non. Merci à toi. Apparemment, ils étaient pas en joie avec Rice. Bizarre. Trouver le tunnel qui permet de quitter les bidonvilles. Alors, sur la carte, il est localisé où? Ah oui, forcément en... En extérieur. D'accord, ok.
Alors, moi, ce qui me fait peur dans la narration, ce qui me fout les jetons, et là, j'aimerais bien m'adresser à quelqu'un qui a déjà fait le jeu, c'est est-ce que je vais perdre mes zones de quarantaine? Parce que j'en ai fait qu'une et j'aimerais toutes les faire. Si le fait de me barrer de cette première partie de ville, je ne peux pas y revenir et pas faire les zones de quarantaine, je suis dans la mouise. Ou alors je commence les quarantaines en direct, chose que je voulais pas faire, mais... ça me... Voilà, je suis un peu coincé là, je suis un peu enquiquiné. Et puis j'ai pas de quête secondaire. J'ai pas de quête secondaire. Qu'est-ce que je fais? Je reviens à la tour. La tour qui est toute proche finalement. Oui, je sais, il va y avoir les rôdeurs, ça va être l'enfer. Oui, ça y est, c'est trop tard. C'est pour ça que je me barre comme un fou furieux à fond la caisse. Parce que je vais me coltiner des rapaces. Voilà, ils sont déjà de sortie. Merde, pardon. Tac, 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 tac. Alors, par chance, on n'a pas là. Tu me diras, j'ai déjà une première zone sécurisée, donc c'est pas plus mal. J'ai un vendeur ici ou... Non, je crois pas. Hein. Ah si, j'ai du monde. Oh bah lui, il est affalé à sa radio. En même temps, je lui donne raison. Mais... Et là, bah tiens. D'ailleurs, comme c'est un moment de pause, je peux peut-être fabriquer la mâche. Ah bah voilà. Bah c'est très bien de pouvoir faire une censure industrielle. Nickel. Ça y est. Voilà, machette militaire, machin. Non, mais je vais déposer. Bah attends. Oui, c'est mon sac à dos. Mais... Ah oui, pardon, j'étais pas en train d'interagir avec le sac. Autant pour moi. J'ai rien des... Non, 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 jette pas mes cocktails Molotov. Ok. Et le rêve serait que je puisse aller à la tour. Obtenir 480... Oui, tu parles. 486 points de vie, c'est rien du tout. Non, mon but est d'aller dans la tour. Ah, il y a le producteur de mauvais goût là qui me les brise. Mais attends, mais c'était comment sa quête? Crane, c'est toi, Kyle Crane? Ouais. Irvin Snowberg, réalisateur de films. C'est moi qui ai fait la série Zombie Annihilation. Tu connais sûrement. Non. Ce sont des sortes de méditations sur les gens comme toi qui doivent tuer des tonnes de zombies pour diverses raisons. Les détails n'ont pas beaucoup d'importance. Tu m'étonnes. Le plus important, c'est les coûts de production. Le maquillage coûte cher. La putréfaction, les bras qui se détachent, les intestins à gogo. Et puis, quand on les fait exploser avec des armes, c'est pas donné non plus. C'est pour ça que tu es Aran. C'est une tragédie, bien entendu. Mais il y a une vraie fortune en effets spéciaux dans les rues. Des zombies prêts à se faire exploser la tête pour mon prochain film, Zombie Annihilation 4, Déjeuner mortel. Tout ce qu'il me faut, c'est un pro des armes à feu qui peut les dégommer en moins de deux. Et j'ai cru comprendre que tu ferais parfaitement l'affaire. Et je sais pas si c'est une quête par rapport au discours horrible qui m'a tenu, là. C'est, je sais pas, c'est bizarre. C'était quoi ça, les primes? Récupérer des packs réquisitions? Ah, c'est le défi, c'est ça, déjeuner mortel.
Ramasser l'arme. Ah, c'est ça! D'accord. Erwin Schneeberg, le célèbre réalisateur de films de zombies, se trouve en ce moment à Arran. Bien sûr, j'ai jamais entendu parler de lui. Pas surprenant, vu qu'il cherche à épargner de l'argent en filmant des zones de quarantaine. Il veut me filmer en train d'abattre des infectés pour éviter d'utiliser des effets spéciaux. C'est la chance de ma vie. Wow. Ah, puis il y a l'arme ultime aussi. Ah oui, alors attends. Ouais, ça fait quand même des quêtes secondaires. D'accord. Mais du coup... Comment ça se passe, son truc? Non disponible de nuit. Magnifique. Alors attends, je vais d'abord aller à la tour, voir ce qu'ils ont à me proposer. Et à partir de là... Oula. Et... Non, c'est pas mieux. Et à partir de... Oulala. Merde, je vais croiser un rapace. Ça, c'est pas cool. Oh la vache. Merde, je vais en faire face à un. D'ailleurs, je peux faire de la cueillette. Merde, le blas. Bah oui, tu m'étonnes, il est en train de me voir là. Hop là. Hop là. Non, il m'aurait vu. Faut arrêter les zombies là. Oh, j'avais carrément un rapace qui allait me choper. Non. J'ai failli avoir un rapace de rentrer dans le hall d'immeuble. Eh ben dis donc. Effet de surprise garanti. Ah, alors lui, c'est le Père Noël local. Il me gâte à chaque fois. Mais si, en le gardant bien, j'ai encore des quêtes. Ah, bandage et médoc. C'était par-dessus l'épaule du gars sur le panneau d'affichage. Alors, cherchez des pansements et des médicaments pour Togar. À l'intention de tous, grâce à Rice et son groupe de bouts sans pitié, on sera bientôt à court de bandages et d'antialgiques. Si vous en avez, si vous savez où vous en procurer, allez voir Tolgar, je vous en prie. Et n'allez pas imaginer que ça vous concerne pas, que vous n'êtes pas blessé. Ça peut changer très vite par ici. Si c'est votre job qui prend une balle, vous serez content d'avoir de quoi vous soigner. Tu m'étonnes. Ah d'accord. Eux, ils veulent du café. Récupérer du café pour le club des amateurs de café. Togar. Votre attention s'il vous plaît, nous avons besoin de café. Comme vous le savez, on a du thé à ne plus savoir quoi en faire. Je vous préviens, le prochain qui me dit que le thé c'est aussi bon que le café, je le bute. Oh. Il y a du café quelque part, c'est sûr. Il suffit d'en trouver. La personne qui en rapportera à Togar obtiendra une récompense. Le club des amateurs de café compte sur vous. Alors c'est très con, mais c'est le genre de petite quête que j'aime bien. Récupérer du gaz pour Togar. Allume gaz. Tu parles d'une... Bref. Information pour votre maître du gaz, Afra. Vous avez tous besoin de mon précieux gaz pour vos gazinières à la noix. Et je serai quasiment à court de butane. Si j'ai plus de gaz, vous allez manger de la soupe froide sans parler du reste. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Si vous voulez que vos gazinières continuent à marcher, apportez-moi du butane. Enfin, du butane à Togar. Il vous paiera. Oh, avec des récompenses de plomb derrière. Mais il
Ouais. Je vois le... J'ai peur que la recette des... Comment on appelle ça? Des flèches explosives soit liée à un défi comme ça et je vais en baver. Enfin bref. Attends, je comprends pas. Il donne? Ah oui, prendre. Il donne. D'accord, c'est un autre Père Noël, lui. Je sais pas ce qu'il vient faire là, Spike. Mais merci, c'est gentil. Vous pouvez fabriquer un nouvel objet. Bah, cool. C'est du matos de pas très bonne qualité. Là, je suis mis par me battre contre des zombies qui sont balèzes. Alors, pardon, mais je préfère démonter le truc. Pareil, les boucliers, honnêtement, je vais les ranger. Pour le moment, dans mon scénario, j'en ai pas besoin. Ouais, je vais aller à l'étage. Je vais aller à l'étage. Aïe. Je comprends mieux. Il y a des trucs qu'il faut que je fasse attention à l'interface du jeu parce que c'est immensément riche. Il y a plein de trucs à faire. Et j'ai failli bêtement louper des... On peut appeler ça des quêtes bonus. Qu'est-ce qui est arrivé à cet immeuble? L'âme violente. Ah! Des flèches explosives. J'avais pas ça avant. Alors c'est rigolo, le soleil là, il a des airs de Pikachu au niveau du visage. J'aurais pas à dire, mais... Alors là, pour le coup, je crois qu'il n'y a plus personne dans le... Enfin, je pense. Il n'y a plus personne au quartier général, là. Ils sont barrés, non? Pour ça qu'on va changer de zone de ville. Sacré Jed. Miss Scorpio. Alors moi je vais atteindre mon bagage. Oh la vache. Le plan complet de la ville, dis donc. Oh là là, énorme. Énorme. Bam. Ouais, bah j'ai envie de dire retour aux affaires. D'ailleurs, je vais changer de tenue. Hop là. Ah bah, et ça va être le... Ah non, il est 2h du matin. J'ai cru que ça allait être l'aube. Je trouve qu'elle est vachement lumineuse, leur nuit, dans le... Enfin là, on voit mal, parce que... Je pouvais pas me plaquer à la fenêtre, mais... Non, l'idéal serait que je retourne sur le balcon du QG. Là, évidemment, j'avais une vue imprenable sur la ville. Regardez-moi ça. Je sais même pas quel côté, d'ailleurs, est le plus intéressant dans l'histoire. C'est pas mal, hein. Je me demande si je regarde pas du côté vers où on va se barrer dans le scénario. Non, si on va pas atteindre l'autre berge, l'autre rive. Je crois, hein, je sais plus. Alors, excusez-moi, je vais m'absenter quelques minutes. Je vais vous laisser sur la belle vue de Aran de nuit.
Je reviens le temps d'aller, comprenez-le, d'aller en chambre basse, qu'on parle en français distingué. Comprenez les toilettes, excusez-moi du peu. Me revoilis, voilou, excusez-moi, je tente de passer aux toilettes, de me laver les pattes. Me revoilà maintenant. Oulialialia. Alors. Pa-da-pa-da-pam. Alors, du coup, ah oui, il fait encore nuit. Oula, c'est dingue, il fait toujours un temps de chiottes la nuit. Satané rapace, va. Bah.
T'en foutrais, moi. J'adore les buter. Ah ouais. Ils m'auraient repéré. Alors, s'ils arrivent à m'atteindre. Merde. Évidemment, un explosif au corps à corps, c'est pas une bonne idée. J'ai été débile. Ah là 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 là. Ramasser quoi? Ramasser la prime. Ah oui, non, c'est un copier-coller de... Ok. De ce qu'il y avait à la tour. Parce que là, je comprenais plus. Je vois pas ce que je peux faire de mieux dans l'immédiat. Alors... Le mec, il est par là-bas. Je crois que c'est l'immeuble en face. Enfin, en face. Loin en face. là. Ouais. Vas-y voir que je fasse mon Spider-Man. Voilà. Level producteur. Ramasser l'arme. Et action. Alors, c'est quoi le but du jeu? Tuer 40 affectés avec une arme spéciale dans le temps imparti. Alors, l'idée est probablement d'être là. Oh merde. Ah oui, c'est spécial. Ok. Ah, bouton central, recharger le fusil. Ok. Alors, faut que j'en zigouille d'autres. Voilà. Merde, faut que je me soigne parce que là j'y suis allé de manière un peu trop frontale. J'ai gagné! C'est dans la boîte! Oh, j'en ai les larmes aux yeux! C'était vraiment le plus beau massacre que j'ai jamais vu! T'es un véritable artiste! C'est horrible! Je vais préparer la prochaine séquence! Si t'es dans le coin. Ok? Tiens, voilà ton argent! Quelle horreur! 500 balles en plus! Oh là. C'est d'un sordide! Ah non, il me le propose plus tout de suite. Ouais, il a rien de nouveau. Alors du coup, moi je vais passer à l'arme ultime. Parce qu'il est vrai que j'avais fait un autre défi qui était prêt à me donner un matos de fou furieux. C'était...
Il était où le Mickey? Je le vois même pas sur ma carte. Merde. Attends. Je suis parvenu à faire bugger une quête là ou quoi? Retournez voir Tobias quand il aura autre chose à vous proposer. Bah ouais, sauf que je le vois pas sur la carte de jeu. Il est où Tobias? Ne me dis pas que c'est un exilé. Parce que sinon je pourrais jamais finir la quête. Hein. Merde. Bizarre. J'ai une mission protégée d'ailleurs. Quand on regarde la carte, là j'avais un bouclier. Donc ça éventuellement je vais le faire. Alors déjà j'ai un vendeur qui est tout proche. Ah, j'en ai plusieurs protégés. Tiens, je vais faire les missions protégées en attendant en plus. Donc, j'ai un vendeur qui est tout proche. Mais j'arrive pas à voir où est-ce qu'il est exactement. Pourquoi la carte m'a indiqué un vendeur à proximité? Non? Attends, je piche plus là. Ah, il faudrait que je regarde sur ma droite. Le vendeur serait par là-bas. Bon, attends, je passe le producteur. Et ce serait par là-bas. Vache. Ah, lui. Ah oui, c'est lui le vendeur. D'accord. Ok. Oui, merde, c'est pas grave, j'ai plus d'emplacement. Mais on... Je vais pas acheter des munitions puisque je me connais. À force de farfouiller tout partout, je me les trouvais gratos, les munitions. Alors attends. Attends. Hop là. C'est pas au niveau de la voie ferrée, mais... Mais... On va pouvoir en prendre le chemin. Oui, j'ai un abruti qui est mort bêtement. Merde, j'en suis tombé du pilier, là. Oh, joli. Ah, un petit bug. Je suis pas passé par là où il fallait. Et but. C'est horrible. Mais il y a combien d'excités, là? Mais il y en a combien? Il y a de plus en plus d'excités. Je sais plus qui m'avait dit que ça... Les jours passants, virtuellement parlant, ça dégénère. Il y a de plus en plus de bestiaux quasiment impossibles à gérer. Et effectivement, j'ai davantage excité. Ils viennent de plus en plus en nombre. Je vais même pas me demander s'il y a une limite, si on peut pas faire bugger le jeu, en fait, dans sa logique. Boum. Oh là 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 là. Ils ont dû s'offrir des délires au doublage. Hein. Parce que les gémissements, les cris, ça y va. Hop là. Bref.
Alors, attends. Là, petite descente tranquille sur le poteau. Attends, mais ma cible, elle est où? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je viens de faire bouger mon chat dans le... avec la molette de la souris en même temps que dans le jeu. Du coup, ça m'a grave perturbé. Ah oui, d'accord, c'est en aval du chemin. Ok, il faut que j'escende. Ma cible, en fait, est dans la baraque là-bas. Enfin, on peut appeler ça une baraque. Oh! Zombie des égouts. Quelle horreur. Reste-y. Oh! Des clopes! J'étais le fourgon à clopes! Hop là, magnifique! Oh! Tu portes pas le bon uniforme, mon gars. Je sais. Je m'appelle Ahmed. Il y a deux mois, j'ai fait une connerie. J'ai rejoint Raz. J'ai dit, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Je me récupérais tout dans ces îles. Je me suis dit que c'était malin. Et là, t'as changé d'avis? Est-ce que tu les connais? C'était malade! Ils découpent des gens pour s'amuser. Je suis pas comme eux. Je suis barré. Voilà, tu es piégé. Eh ouais, c'est des grands malades les gars de Rice. Mais il était temps que tu t'en rendes compte. Oui, t'as pas pris du bon, effectivement, le... le bon gilet, on va dire. Oh, j'avais pas fait gaffe que ma santé était aussi basse. Ok, je vais t'y conduire. Tu sais qu'en entrant dans la bande de Rice... te font bouffer des yeux humains. T'es vrai? Et t'as pas trouvé ça plutôt bizarre? J'étais... surpris, mais je voulais entrer. Tu vois? Allez, tout de go! Ok, ça commence mal. Attention, on est parti pour se laisser déborder. Sent pas bon. Aïe 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 aïe. Voilà, lui il va faire boum. Voilà. Oui, bah oui, continue. Oh, il y a le panneau stop quasi clé dans l'affaire. Dans cette rixe, pas possible. Oh merde. Oh merde. J'ai voulu me soigner et là, alors là. Bonjour Cuxid, j'espère que tu vas bien. J'ai voulu me soigner, mais ils étaient tellement nombreux que. Bah bravo. La mission d'escorte est un carnage. On est tous morts. Merde. Ah oui, protéger Ahmed, c'est foutu. Moi je vais bien, merci. J'espère que c'est aussi ton cas. Ouais, ça va. Bon, c'est cool. Tu vois, là, j'ai le plaisir de bien m'amuser. Ça fait du bien parce que j'ai la chance de pouvoir prendre congé. Sachant que, une, il y a un temps pourri dehors, mes volets, je laisse fermer. Et de deux, c'est, tu sais, ces genres de manifestations grève où c'est le caillon dehors. Je suis vraiment heureux, et je sais que c'est un luxe, de pouvoir être peinard chez moi à me détendre. Et oh, je boude pas mon plaisir, Cruxit. Je sais pas si tu peux avoir la même chance que moi. Tu portes pas le bon uniforme, mon gars. Je sais. Je m'appelle Ahmed. Il y a deux mois, j'ai fait une connerie. Alors, attends. Parce que du coup, je me remets dans le... Grave, ça caille dehors. Oui, en plus, oui, il y a la... Oui. Mais, enfin, bref. Oui, je travaille pas depuis le Covid.
Ah bah, alors si t'es exempté de boulot depuis le Covid, en espérant que c'est un scénario qui puisse t'aller, je te le souhaite, tant mieux. Alors, que je regarde mon arme dans le jeu. Ouais, t'as pas le choix. Après, je te souhaite de, comment dire, de ne pas avoir eu ton niveau de vie qui soit fortement dégradé, parce que ça, ça fait mal. Enfin bon, c'est un débat dans lequel je veux pas rentrer, parce que sinon c'est la sinistrose. Mais bon, quoi qu'il en soit, courage. Non, ça va, bon, c'est bien. Parce qu'il y a vraiment des gens, depuis la Covid, qui sont dans des situations... Waouh, ça fait peur. Revenons au jeu, on est là pour se détendre. Du mieux qu'on peut. J'étais en train de me dire, je vais peut-être réparer mes armes, là, vu le carnage que j'ai commencé à faire. Hop là, voilà. Allez, okay, go. Je vais t'y conduire. Tu sais qu'en entrant dans la bande de Reis, il faut qu'il arrête son baratin et qu'on avance. On a économisé pas mal quand je bossais, Crucial et moi, on est en train de vivre pépère sans folie. Ouais, bah c'est déjà ça, c'est bien. Quand tu peux faire ça, c'est bien. Je vais te faire la peau. Ouais. Le problème, c'est qu'ils ont de la ressource, les zombies. Alors, vaut mieux pas rester dans la nappe d'hydrocarbures, là, parce que s'il y a une étincelle, tu flambes, mon gars. Stratégiquement, là, c'est une erreur. Mais continuez à avancer. Pas trop, parce qu'il y a des choses très intéressantes. Évidemment, cet idiot s'est barré. C'est dommage qu'on puisse pas dire aux survivants d'attendre. Bah merde, j'ai pas trouvé le... Ah. Merde, c'est qui part par là? Bah merde. Ah. Merci. Ah. Ah, inventaire plein. Alors, il est où le malheureux? Qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Ah, il est là. Ils ont déjà tout récupéré. Il y en a eu, ils ne connaissent pas. Allons-y. Ouais. Volontiers. Attends, bouge pas. Non, barre-toi! Mais qui est con? Il va mourir! Mais pourquoi dans l'intelligence... Mais vraiment! Mais pourquoi dans l'intelligence du jeu, le gars, il se dit pas, faut que je me barre? Pourquoi ils ont pas programmé ça? Parce que du coup, le gars, ça fait de lui un crétin fini, quoi. D'ailleurs, du coup, je pense qu'il est pas mort, mais que c'était vraiment pas prévu par le jeu, et du coup, il m'a pas dit que ma quête était annulée. Parce que là, il s'est... Eh bah oui, il s'est pas relevé. Bah, tu m'étonnes. En même temps, il est un peu con, le mec. C'était une occasion rêvée de faire un strike. Bon, du coup, je présume que le jeu ne me propose plus de de l'escorter. Ah si, si, il est revenu. Alors, attendez, on va rembobiner. Le cadavre que j'ai fouillé, dépouillé, n'existe pas. Vous n'avez rien vu. Mais, oh, franchement, il y a des trucs, c'est débile, quoi. Déjà, voilà, l'autre, il met les pieds dans la mare d'hydrocarbures. Moi, je prends mon arc avec mes flèches enflammées, je le cuic, quoi.
Ben oui, je sais bien, l'intelligence artificielle dans les jeux, ça la fout mal, mais... soupir, quoi. Tire pas, tire pas. Je suis pas un méchant, ok? Tu portes pas le bon uniforme. Ah là 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 là. J'en bois un coup, parce que là... Il y a deux mois, j'ai fait une connerie. J'ai rejoint Rice. C'était débile, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Il récupérait toute l'antizine. Je me suis dit que c'était malin. Et là, t'as changé d'avis? Est-ce que tu les connais? C'est des malades. Ils découpent des gens pour s'amuser. Je suis pas comme eux. Je me suis barré. Seulement, Rice aime pas que des gens partent. Ces gars me tirent dessus. Je veux rejoindre Brecken. Mais ils me tirent aussi dessus. Tu veux que je t'aide à entrer dans la tour? J'ai rien pour te payer, mais je connais quelques plans où les gars de Rice se ravitaillent. On peut y passer en chemin. Ok, je vais t'y conduire. Tu sais qu'en entrant dans la bande de Rice... Allez, avec un peu de chance, je le lâche plus s'il n'y a pas un butin magnifique en route. Aïe, 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 aïe. D'ailleurs, en parlant de panneau de signalisation, là je parlais, je rigolais du panneau stop qui s'est fait exploser, arracher lors de la rixe contre les zombies. J'ai un abruti, moi, dans ma ville qui a rien de trouvé plus marrant que de passer ses nerfs sur une vingtaine de bagnoles qui étaient garées en pleine rue. Il a arraché, je sais pas comment, un panneau stop, je crois d'ailleurs. Et il a défoncé 20 bagnoles, c'est tout ce qui est pare-brise et rétroviseur. C'est terrible. J'appréhende de plus en plus le temps passant. J'appréhende les horreurs que je vais lire. Oula, lui il est armé, il est dangereux. Quand j'ouvre le journal, je me dis mais quelle bêtise ou quel drame je vais encore voir dans la presse. Oui, plus rien ne t'étonne, ouais, bah... Attends, j'arrive à les atteindre ou pas? Ah, j'ai tiré trop loin. Alors, eux, je les flambe gentiment. Ah, ils cuisent bien. Bonjour la Jed, faut surtout pas jouer au Monopoly, ça peut se terminer à coup de sabre. Ouais. Merde, j'ai merdé mon tir avec le... Merde, elle est venue pour moi. Voilà, je l'électrise. Merde, l'autre il a retrouvé. J'aimerais économiser mes balles, elles sont précieuses. Autant les flèches, ça va, je suis plutôt dans la richesse. Merde. Merde. Non. Bon, cette scène est horrible. Hop là, terminé. Merde. Moi aussi j'ai de la compagnie. Ah, la vache, ils sont chiants les... Voilà. Je me soigne. Eh, hey, ils sont coriaces les mecs. C'est ma énième flèche de fou. Ils sont surhumains eux aussi. C'est complètement dément. Je ne sais pas.
Oh non, là, cette merde. Ça y est, j'ai encore une autre excité. Oh, merdoum. Attends. Merde. C'est pas ce que je voulais faire. Alors, attends. Hop là. Là, pour le coup, lui, il gicle littéralement. Eux aussi. Ouais. Parce que franchement, ils sont trop coriaces, les Mickey. Je crois qu'on peut faire la suite, mon gars. Je sais pas où est-ce que tu veux aller. Ah si, il en reste un. J'avoue, il en reste un. Il doit être dans le wagon, hein, apparemment. Voilà. Je veux pas, hein. J'ai la chance d'avoir du matos. Voilà, terminé. Kit de soins en plus, c'est sympa. Petite mal. Oh! Faut pas qu'il bouge, merde. Viens avec moi dans le wagon, il y a du matos. Oh là là. Il y a du matos. Alors attends, que je te lise. En Belgique, il y a peu, tu dis la Jed. J'ai l'impression que beaucoup de monde vivent dans un autre univers, en plus dans la réalité. Ça marche. Qu'est-ce qu'il dit? Il est fou le perso que j'ai protégé. Mais c'est bien s'il rejoint la tour, ça c'est une bonne nouvelle. Merde, j'y étais presque. Je suis pas sûr de t'avoir compris, Ledged, excuse-moi. Tu veux dire par rapport à la pandémie. Alors, je pense que tu parles de la réalité, on est d'accord, tu parlais pas de mon jeu. Comme quoi, il y a des personnes qui. Enfin voilà, ils se sont adaptés, on va dire, au monde d'après, pour faire simple. D'après pandémie. Quelques roquettes devraient faire l'affaire. Oui. Oula, attends, lui il est dangereux. Si tu peux. Tu me laisses trois choix. Oui, le pompier faut le calmer parce que lui il est dangereux. Attends, mais il est où? Ah, ça tourne mal. Je suis victime d'une mêlée de zombies là, c'est dangereux. Mais il est où mon gars à sauver? Ne me dis pas qu'il est mort. Ah si, il est mort, merde, bon bah d'accord. Oh là 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 là. Doucement. Aïe 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 aïe. Oui, l'excité, je t'ai vu. Ils vont réussir à me choper à force. Hein. Allez, on n'en parle plus. Merci, au revoir. Bon, bah je peux pour la énième fois redémarrer la quête de la protection du gars. Je pensais gérer, mais au final, pas du tout. Voilà.
Ça y est, j'ai un... Ok, génial, mon arme est brisée, je peux la démonter. Youhou. Alors, je vais essayer les armes de jet, vous allez voir que je vais faire de la merde. Non. J'ai même pas le droit de le mettre en arme normale, ouais, donc c'est encore un truc à part. Bref, voilà, est-ce que je peux la fabriquer? Oui, je peux faire des trucs vachement bien. Voilà, classique zombie, je vais les électrocuter en même temps. Hop là, joie. Dans cet épouvantable carnage. Allez, va péter toi. Ah non, pas besoin. Nope. Ah! Pourquoi j'ai eu un cacaburk de... Oui, je te vois l'excité! Allez, but contre la bagnole. Bon, bref. On va recommencer là. Oh, il y a des trucs à fouiller ici. Il y a forcément des trucs à fouiller. Difficile le casier. Hop 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 hop. Voilà, boum. Voilà. Alors. Là, il y a des clopes. Pom 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 pom. Oh vache. C'est horrible, on peut le dire, mais c'était une armoire à gaz. C'est bien la première fois que je trouve trois bons, enfin bonbonnes. Trois sprays dans un seul et même contenant. Alors attends, je vais retourner voir le gars que j'étais censé couvrir. Je vais finir par réussir la quête, c'est pas possible. Espoir. Espoir. Aïe 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 aïe. Il est toujours là. Tire pas, je suis pas un méchant, ok? Tu portes pas le bon uniforme, mon gars. Je sais, je m'appelle Ahmet. On y croit. J'ai rejoint Rice. C'est débile, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Il récupérait toute l'antizine. Je me suis dit que c'était malin. Et là, t'as changé d'avis? Est-ce que tu les connais? C'est des malades.
Ils découpent des gens pour s'amuser. Je suis pas comme eux. Je me suis barré. Seulement, Rice aime pas que des gens partent. Ces gars me tirent dessus. Je veux rejoindre Brecken. Mais ils me tirent aussi dessus. Tu veux que je t'aide à entrer dans la tour? J'ai rien pour te payer, mais je connais quelques planques où les gars de Rice se ravitaillent. On peut y passer en chemin. Mmh. Allez. Ok, je vais t'y conduire. Est-ce la bonne? Point d'interrogation. Alors, c'est là où c'est intéressant d'ailleurs, d'un point de vue développement de jeu, parce qu'on va voir si c'est scripté ou pas. D'ailleurs, est-ce que je vais retrouver justement les gars de Rice au niveau du wagon? Rien que l'exemple là, ce serait criant de vérité. Ah, faut que je reprenne mon souffle. Rien ne sert de courir, mon garçon. Il faut savoir partir à point. Ils ont déjà tout récupéré, mais il y en a une qui ne connaît pas. Allons-y. Il y en a une qui ne connaissent pas. Dar la doudi, dar la douda. Bon là, leur père, il est logique, c'est remonter la voie ferrée. Je conçois. Ah oui, c'est scripté. Alors, voilà, terminé. Terminé. Voilà, terminé. Oh merde, un excité. Tiens, attrape. C'est drôle. T'es venu comme ça. Bon, bah y a plus rien à y faire puisque j'ai tout. Oh non. Tu me laisses pas le choix. Je vais pas faire l'explosion de la bonbonne parce que ça va encore mal se finir. L'autre, il va pas se barrer. Eh oh, les Yamakaki, là, vous allez vous calmer. Oui, je l'ai chopé. Laisse-moi le temps de me rabibocher. Enfin, rabibocher, c'est pas le bon terme, mais me soigner. Ouais, elle est coriace, elle était casse-bonbon. Amène-moi à la tour et je te donnerai ta part. Ça marche. Mmh. Des shurikens. Ouais, beauf. Tu dois m'amener à la tour. T'as pas oublié. Comment veux-tu que j'oublie la tour? Peut-être l'endroit le mieux protégé actuellement de la ville. Vu ce qui se passe dans les autres planques, les autres se laissent déborder. Alors, mon cher Ledger, tu m'écris. Et j'ai grand plaisir à te lire. Je suis en train de poser des questions sur une annonce sur le Bon Coin sur un lot de 10 PC portables HP à 170€. Alors il est fort probable que... Oula. C'est rigolo comment je vais faire culer. Allez, Allez, on n'en parle plus. Par contre, je veux bien le fouiller, parce que j'en manque les... Ouais, bon. Je suis déception. Oui, donc les portables doivent être hors service. Et ça doit être sûrement des portables, tu sais, à désosser par toi-même pour récupérer les pièces qui sont encore opérationnelles. Ce qui n'est pas une mauvaise chose d'un point de vue écologique.
Je présume, hein. Après, effectivement, à toi de t'informer. Attends, j'ai pas compris. Il y a eu un gerbotron. Ah, d'accord. Ok. T'inquiète pas. Voilà. Ça sent vraiment pas bon. Mais tu les gères très bien. Ah oui, il y en a un autre là-bas. Bah, je suis passé au travers ou quoi? Ah, merci. Mince, je suis pris dans le décor, ça va pas. Calmos les excités. On sait bien, il est arrivé à la tour. Attends, j'aimerais me débarrasser des excités au corps à corps avant de faire le vomito là. Hop là. Merci. Ah, l'autre, c'est horrible. Comment qu'il est resté sur la... Sur la... Comment on appelle ça? La rampe. Merde. Allez. Je suis... Non, c'est là. Ah si, je suis en train de le cramer, mais ça lui fait pas grand chose. Ah ouais, faut vraiment que je me le coltine à l'explosif. D'accord. Sans quoi... Je crois que j'ai satellisé là, j'ai pas compris. Bon, c'est pas plus mal. Parce qu'il m'a fait bobo le salopard. Bref. Tu vas passer à l'infirmerie bientôt. Hein? C'était pas prévu, non? Pourquoi? Je... Tu pourrais faire passer un message à Lena pour moi? Ouais, je suppose. Tu pourrais pas aller lui parler en personne? Impossible. Ça me rend nerveux. Beaucoup trop nerveux. Nerveux? Pourquoi est-ce que t'es... Attends. Tu serais pas en train de me demander de lui transmettre un mot d'amour? Je perds mes mots quand je suis près d'elle. Elle s'est occupée de ma mère pour m'y arriver à la tour. Elle a été si gentille et depuis je... Eh bien, je pense qu'à elle. Tu sais qu'elle est avec Brecken, non? Enfin, tu dois savoir ça. J'en parle, non? Elle est avec... Lena sort avec Brecken? Oh merde! Merde, merde! Je fais pas le poids, il ferait qu'une bouchée de moi! Pas ensemble! Ok. Ok, d'accord. Oublie tout ce que j'ai dit, tu veux? On n'a jamais eu cette conversation. Comme tu veux, mon gars. Ah oui, parfois c'est le drama dans ces histoires humaines. Enfin bon. J'y serais pas arrivé sans ton aide. Je te conseille de changer rapidement de fringue. Oui. Ce sera mon premier achat. Voilà ta part. La prochaine fois que tu dois manger des yeux pour entrer dans un club, change de club. Oh, c'est dégueulasse, oui. Un plan passe à ton voisin. Bah, c'est cool d'avoir un plan. Oula, j'ai pas augmenté de niveau, là. J'ai l'impression que la barre de... Comment on appelle ça? La barre d'expérience était au taquet. Ah non, il a rien pour moi, là. Manque de bol. Alors attends, je vais essayer de faire un autre à... Attends. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pourquoi j'ai un protégé à l'opposé de la... C'est quoi ce merdier? Qu'est-ce que tu fais là? Je déterre des vers pour aller à la pêche, à ton avis? J'ai bien des idées. Non, je vais aller pêcher. Je m'appelle Omar Bose. Si tu m'escortes à mon coin de pêche secret, je te filerai quelque chose dont j'ai rien à foutre, mais qui te plaira. T'en penses quoi? Ok, on est parti. Super. Il faut juste que j'aille chercher mon matériel. D'abord, il me faut ma canne. C'est une Tobunga Mark 12. Combien je l'ai payé, à ton avis? Je m'en tape. Eh non, $275, alors qu'elle vaut en fait $649.
Elle était d'occasion, mais c'est un bon prix. Je pense pas que les quêtes escorte protection soient aléatoires. On va vite le faire à force de les faire en boucle. Mais je pense qu'elles sont scriptées, elles ont été faites donc manuellement. Alors, sans vouloir chercher volontairement à faire un 100% dans le jeu, parce que j'aime bien... vous savez que j'aime beaucoup ce jeu-là. C'est vrai que je suis parti pour écumer quasiment toutes les requêtes. Ok. Nous y voilà. Attends, excuse-moi, je vais te lire, mon pauvre Ladjed. Grâce à cette épidémie et à l'effondrement de la police, je peux la récupérer sans rien payer. Si c'est pas un sacré coup de cul. Fais vite, Omar. Ok. Il me faut ma canne. Tu pêches? Non. C'est bon pour l'arbre. Et ça te nourrit aussi. C'est une C-Beam Flex Master 2 en fibre de carbone. T'as rien dit, mais je sais que tu veux savoir. Je l'ai vendu à mon pote Rashan, mais c'est devenu un monstre depuis. Il en a plus besoin maintenant. On dirait que cette épidémie t'arrange, Omar. Je suis un gars pratique, comme un poisson dans l'eau. Tout n'est pas tout noir, à part les moustiques. Alors, il y a une mamie... Quoi ? Ah non, il y a un même... Ah, il y a même, pardon. Un lot de 13 tours, tout complet, à 130 euros achat en l'état. Je pense que c'est le même principe, la Jed. C'est des ordi à désosser. Ah oui, c'est... ils sont chiants, eux. Merde. Il a failli me tuer, lui. Il a failli me tuer. Une baleine. Une baleine. Mais non. Allez, c'est terminé. Merde. Oh. Évidemment, les détonations de l'arme, ça attire du monde. C'est ça, va voir plus loin. Oh la vache. Attention, il y a un excité qui va nous rejoindre. Il est en train de péter un sprint. Ah merde. Quoi ? Ouais. Oh merde, j'allais buter l'innocent. J'ai cru un instant que c'était le zombie. Merde. Merde, décidément, combien de fois je confonds la zombie. La victime et le zombie. Oi, 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 oi. Pas évident, hein, dans ces RIX, une action folle. Ouch. M'a mis au courant. J'ai plus de 300 appâts différents et ils ont chacun leur histoire. Tu veux que je te raconte? Non. Dommage. Oh merde. Ah oui, je me souviens de lui, c'est horrible. Son nom dessus, ce con. Je vais le buter. C'est bon là? J'ai tout ce qu'il me faut. Ramène-moi à mon coin de pêche, mon ami. Les poissons me réclament. Mmh.
Qu'est-ce qu'on fait? On suit le cours d'eau? Aïe, aïe, aïe. Il y a plein de zombies partout. Je peux pas pêcher si j'essaie de me bouffer. Tu m'étonnes. Bon, avec un peu de chance, ils vont... Ah non. Non, il n'y en a pas un qui quick. Bah alors, ils sont sacrément robustes. Oh, je vais encore sacrifier une flèche explosive. Ah, s'il le faut. Alors, elles coûtent certes cher, mais elles sont foutrement efficaces. Ça a été une grande expérience pour toi. Pas vraiment. Je l'ai payé en poisson. J'ai vu ça chez le traiteur sur gage et je me suis dit que ça te plairait plus. Si tu préfères du poisson, il va falloir que tu attendes un peu. Je prends ça. Au revoir. Et que le poisson soit avec toi. Ouais. M'en parle pas. Bonjour l'excité. Quick. Encore une? Oh mais c'est pas vrai. Excité suivante. Ou excité, pardon. J'observe même plus les jars dans les zombies là. Alors. Carrément à la tour, là, il y a carrément encore un gars à protéger. Vache. Il y en a d'autres, non? Ah, pas l'air d'en avoir tant que ça, non. Allez à l'intérieur. Ça, c'est le DLC de la prison. Je le referai pas aujourd'hui, hein. Ça a été mouvementé. En plus, ça m'a dépouillé. Je le referai, mais pas maintenant. Je vais aller voir l'autre personne encore qui est à escorter. Ce serait possiblement la dernière de la zone. Oui, je sens que... Voilà. C'était trash. Merde. Oui, enfin, non, c'est pas perdu tant que ça, le fait de m'être soigné. Mais c'est pas ce que je voulais faire. À la base, je voulais juste activer ma lampe torche. Mais bon, vu la tournure des événements, c'est pas plus mal. Bon là, dommage, la bouffe va pas m'aider puisque je viens de me soigner. Le zombie est encore en vie. Oh, l'excité, je suis là. Il m'a pas vu. L'excité ne m'a pas vu. Pff. Il a du bol que je l'ai loupé. Ah bah tiens, j'ai un autre abruti.
Ah, j'allais dire que je parvienne à le décapiter quand même. Hop là, lui aussi. Terminé. Mais c'est pas possible. Oh, j'ai eu chaud. Mais... ils sont en illimité, c'est incroyable. Ah ouais. Ils m'en génèrent autant que j'en zigouille. Bon, bref. Ah, c'est une excitée, elle va me rejoindre. Allez, viens, ma grande. Ouais, bon, je laisse tomber. Eh ben, qu'elle vienne dans l'appart. Allez, viens. Ah, j'ai des points de compétences pas utilisés. Oh, wow, 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 wow. Merci. Ah. Oh, vous avez vu la statue qui était planquée dans le meuble. Oh la vache. Mais les concepteurs ont dû s'éclater à planquer les statues un peu partout. Mais c'est excellemment... C'est parfait, quoi. C'est vachement bien fait. La personne à sauver est là. Monsieur, ah, c'est lui. Je dois vraiment vous parler d'une affaire urgente. Oui. Vous gagnerez en argent, comment savoir, si vous voulez bien m'accorder un peu de temps. Rien de personnel, mais on croirait que vous êtes un vendeur. Mais je le suis. Je suis Farouk Korkmaz, vendeur spécialisé dans les produits et services de nettoyage ZERP. Et j'ai aujourd'hui pour vous une grande opportunité, monsieur. J'ai pas prévu d'acheter quoi que ce soit. Bien sûr que non. Et je ne veux rien vous vendre, sauf une chose. Une idée. Vous demandez votre aide. Oh, punaise. Monsieur, il me manque 3 ventes pour être le vendeur de l'année. Oh. En supposant qu'avec tous ces morts et ces zombies, nous terminerons l'année plus tôt. Ce qui sera le cas. Écoutez, je suis assez occupé. Nous le sommes tous. Je suis occupé, vous êtes occupé à m'aider. Et ces ventes sont déjà faites. Je dois simplement livrer 3 flacons d'antitage ZERV pour pouvoir envoyer les papiers à la compta. Une fois les ventes validées, je deviens vendeur de l'année. Ouais, mais... Mais qu'est-ce que vous y gagnez? La gloire, quoi d'autre? Des récompenses, oui, des petits trésors utiles aux gens comme vous. Et enfin, la garantie de satisfaction ZERV. Bizarre. D'accord, Farouk. Continuons. Vous ne le regretterez pas. Les temps sont durs pour les ventes. C'est la mort tout autour de nous, avec toutes ces histoires de mort et tout. Mais vous persévérez. Appâter et conclure, voilà ce que je dis. Oh, la vache, le clair-obscur, là, il est violent. J'ai cru que le mec, il allait rentrer dans les ténèbres. Tu m'étonnes. Oh merde, puis l'autre qui me chope, oui bien sûr. Bien sûr, ça va de soi. Bah ça commence très mal cette escorte.
mauvaise piste. Il nous faut d'autres clients. Il est marrant, lui. Attends. Il y a des mécaniques de jeu qui me gavent. Tu penses avoir le dessus sur ton ennemi zombie là et finalement il te fait un bras d'honneur en disant non non tu m'as pas neutralisé. On va dire que dans la gestuelle c'est traître. Dur. Ah, j'avais oublié que j'avais un gars escorté. Il est où le mec? Attends, où est-ce qu'il est? Quoi? Il est en haut. Une livraison de serre. Ah. Peut-être qu'ils sont partis tuer quelqu'un. Puis hey, le mec, il est pas ensanglanté du tout. C'est le gars, il est vachement. Attends, en attendant, j'ai un mec qui est en train de souffrir là. Je sais pas comment vous remercier. C'est vraiment pas passé loin. Ah. Point de compétence acquis. Oh merde, le pauvre. Ouch. C'était quoi ce merdier? N'importe quoi. Ah, les excités quand ils sont en flamme, ça craint. Mais il va arrêter de m'enflammer, lui, il me crame l'autre. Souffle. Voilà. Et voilà. Ou pas. Il est où le survivant? Il est mort ou Ah, il est mort. J'ai merdé ma quête de cortège. Puis lui, il est mort. C'est-à-dire que je peux pas le réinitialiser. Tant pis. Mouru. Foutu pour foutu, il est mouru. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça, hein? Bon, déjeuner mortel. L'autre là, il a. Le producteur de mes deux. Ouais, il a quelque chose de nouveau à proposer. Ouais, 20h, ça va être bientôt la nuit en plus, l'horreur. Alors. Ouais, je vais passer par le monticule de déchets. Il
La 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 la. Oh, le lichen. Excellent pour faire des potions de je sais plus quoi. Et on n'en trouve que sur les surfaces rocheuses. Me demandez pas pourquoi. C'est... Je l'ai constaté à force de... Il me rejoint sur le... Non, il me rejoint pas sur le toit, il est trop débile. Oh, joli. Oh. Merde. Pourquoi il m'a fait un saut arrière? J'ai pas compris, là. Ah, c'est encore le... Ouais, on... Oh, oh. Voilà. Alors, attends. Le producteur de mes deux... Oui, il va y avoir des rapaces, c'est la nuit qui arrive. Je sais, ça va être le boxon. Il y a des rapaces. D'ailleurs, il n'y a pas un vendeur ici? Si. Si, si, si. Un coup... C'est quoi un képèche? Ah, c'est les sabres... Les sabres arabes, si je puis dire. Oui, objet de valeur. J'en ai pour 6000 dollars. Oh là là. Alors... Hey Crane, on va monter là-bas un peu plus haut. Cette fois, c'est des cadavres qu'il me faut. Des tas de macabées. T'es prêt à jouer les stars? Ah oui, c'est pas disponible de nuit, c'est vrai. J'avais oublié que son film, il veut le tourner de jour. Alors attends, c'est l'occasion pour moi de faire le point sur mon matos. Ah, c'est cool, il m'a pas compté la réparation, ça fait plaisir. Je m'en tiens à ce que j'ai, je vais vider mes poches. Merde, ami, non, attends, je suis pas dans le sac. Qui est con. Mince, j'ai rangé un truc de trop. Tant pis, c'est pas grave, je vais repiocher dans ma réserve. Eh, beaucoup d'armes de jet, hein, c'est bof bof. C'est vraiment pas mon truc, hein, les armes de jet. Oh, autant dire qu'elle est bousillée, celle-là, je peux la... Faut que je la désosse, là, que je la, je la mette en pièces détachées. Ça, par exemple, c'est pas mal, la hachette Highlander, je sais pas quoi, là. Ouais. Alors ça, je peux le démonter. Oui, alors, passer la nuit, c'est vrai. Passer la nuit, passer... Voilà, attendre jusqu'au matin. Ah, j'ai des points de compétences que j'ai pas validés. Je vais le faire ici aussi. Oh, oui, doublement. Survivant et agilité. Je sais pas si le troc... savoir fabriquer un bouclier, bof, bof. Clôture électrique. Apprenez à utiliser des clôtures électriques piégées. Bah voilà, ça, par exemple, ça me parle le plus. Agilité. Castibia. Rien que l'intitulé me plaît. Allez. De toute façon, je sais bien qu'à terme, je serai amené à tout maîtriser, alors...
Bon, le loustic, il est... Merde, c'est pas la bonne porte. Pff. Oui, le loustic, ça y est. C'est quoi son film? Action. 60 infectés avec l'arme dans le temps imparti. Allez, je valide. Toujours aller sur une camionnette et c'est parti. Allez. Voilà. Faut bien viser la tête, c'est cool. Si j'arrive à viser la tête. Oui. Alors. Où est-ce que j'ai des excités ? Là. Un joli petit bus. Sauf que mon débit de d'homicide, enfin de zombicide, je devrais dire, n'est pas correct. Je suis beaucoup trop lent. En fait, faut que j'aille sur la voie rapide et que je fasse un épouvantable carnage. Apparemment, il n'y a pas de zone délimitée géographique. Merdoum. Aïe, quelle horreur. Ah! Il reste 10 secondes et j'ai fait que la moitié du score, c'est pas bon. Oula, c'était quoi cette cascade? Coupez, c'était nul! T'es en train de tuer mon film là! Bon, je veux bien qu'on recommence. Que ça me coûte rien. Oh l'autre. Mais il est sordide ce mec, il est sordide. Et action! Allez, c'est parti! Mon dieu. Le défi démarre sur la camionnette. Alors, tac. Ah, j'ai encore en excité, je sais pas où. Enfin bref, l'idéal c'est d'aller sur la voie. Évite-moi, salopard, je te dirai rien. Allez! Alors attends, parce qu'avec les flammes, faut faire gaffe. C'est horrible. Et encore, je trouve que je suis pas dans le bon rythme parce qu'en 30 secondes, en zigouiller une trentaine, puis il faut les trouver. Ah, il y a un. Oh, il y a un boss. Trop bien. Dommage, moi j'y suis là, il comptait pour 3 zombies normaux. Non mais c'est la caca parce que... Pour trouver les... Ah, je suis qu'à la moitié du truc. Coupez, eh, c'est dur. Franchement, c'est dur. T'es en train de tuer mon film, là. Bon, je veux bien qu'on recommence. Vu que ça me coûte rien. Et... action! C'est ça. Allez, go! Je sais pas si je vais le réussir, hein, honnêtement. Alors, hop. Il y a toujours les excités du début, là, qui sont dangereux. Non, il y en a pas qui se distinguent.
là. Hop, là, faut que j'avance. Attention, j'ai les excités. Hop, je recharge. J'en avais derrière moi. Ou pas. Bizarre. Là, j'ai fait qu'un tiers du carnage. C'est bizarre quand la mécanique de jeu est inversée. C'est-à-dire que vous êtes invité à partir à la rencontre des zombies et à en trouver. Justement, dans des zones où, visiblement, il n'y en a quasiment plus. Là, ça fait trop scripté. On voit que je me barre de la zone, en fait, de tournage du film. Et tous les zombies ont été désactivés. C'est limite si je pourrais pas contourner le... la règle. Le jeu pour aller piller des véhicules, justement. C'est bizarre. Là, oui, bah, j'aurais pas réalisé la moitié du quart. Et là, il n'y a plus personne, ce qui est pas normal. C'est bizarre. Couper, c'était nul. T'es en train de tuer mon film, là. En fait, je dois pas me rendre aux bonnes zones. Ça doit pas être les bonnes zones. C'est trop étrange. Allez, 3, 2, 1, je monte sur la camionnette. Alors ça, c'est le grand classique. Les super excités arrivent en premier. Alors, la carte me dit qu'il y en a où? Je vais aller ailleurs du coup. Parce que là, j'ai rien. Ah, il y en a plein par là-bas. Attends, il y a quelque chose par rapport à la baraque. Attends, c'est bizarre. Ah, là, il y a un vomito. Attends. Ah, ils sont tous là, apparemment. Ok, c'est à la gare qu'il faut que j'aille. Ok. J'y suis presque. Sauf que le compte n'y est pas encore quand même. Ah merde. Ah. Ah, j'y suis presque. Alors, j'ai repéré les lieux où il faut être. Il faut que j'alterne entre la place de départ, la gare, avant de revenir. Enfin, la gare, le quai. Avant de revenir sur la zone de. D'accord, c'est pas scripté du tout. En fait, l'idée de me barrer sur la voie rapide était pas une bonne idée. Mais le tout de le faire dans le temps en partie, et c'est pas évident. Alors, le quai de la gare. Pas mal. Oui, magnifique carnage, c'est épouvantable. L'autre il m'a fui.
n'en parle plus. Ah, j'ai un vomito quelque part, je l'ai mal vu, mais... 30 secondes, vite, ils sont où? Oh, vite, 20 secondes, je prends le risque d'aller sur l'autoroute. Voilà. Ah! Il y a un peu de monde, mais ils sont disséminés, alors... À l'idée de réussir à les dégommer, c'est pas facile. Oh merde, il m'en manque 4, j'ai une seconde. Coupez, 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 c'était nul. T'es en train de tuer mon film, là. Bon, je veux bien qu'on recommence. Ça me coûte rien. Et... action. C'est bizarre. J'ai... Parfois, j'ai le sentiment que les quêtes ont été scriptées de manière assez bancale. Mais bon. C'est mon impression. Voilà. Alors, j'en ai plein qui m'attendent à la gare. J'arrive les gens. Je sais qu'il y a une bonbonne par là, de gaz. Je sais plus où est-ce qu'elle est. Il aurait été mieux de pouvoir la faire péter d'entrée de jeu, mais c'est loupé. Parce que là, j'aurais gagné un temps fou. Ah, celle-là, je me serais acharné. C'était pour l'exemple. Ah non, je sais pas. Là, là. Je sais pas, la bonbonne de gaz qui est plus là. Non, il me reste 10 secondes et je suis pas dans le rythme. En fait, mon carnage est trop mollasson. C'est horrible à dire, hein, mais le constat est là. Il est dur ce défi. Ce défi est dur. Il est dit intermédiaire, donc les difficiles, c'est pas pour moi. Aïe 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 aïe. Allez, action, c'est parti. Vous avez vu les paquets? Ah, la première tentative. Enfin, la précédente tentative qui a pas été gommée. Allez, on va changer un peu. Magnifique, le fait de sauter en tirant, c'est horrible. Mais au niveau action, ça le fait. Alors... Il y en a du monde. Ah, j'ai même un vomito qui est revenu depuis. Attention. Pas mal. Attention, le vomito, ouais. Il vaut mieux le neutraliser parce que... Sous ces faux airs de zombies lambda. Oh, attends, je vais voilà, recharger Pascal. Oh l'autre. Voilà. Mon quota est pas bon et il me reste 10 secondes. Merde.
Oh non, il m'en manque 3 à chaque fois. Il manque 10 secondes. Coupé, il me manque 10 secondes. Mais c'était nul. T'es en train de tuer mon fils. Bon, je veux bien qu'on recommence. Vu que ça me coûte rien. Bon, la 10e sera la bonne. Action. Il va y avoir des petits paquets partout dans le quartier, c'est merveilleux. Ouais, ils mettent une 50, en fait, j'aurais réussi si j'avais 2 minutes complètes. Sauf que c'est pas le cas. Allez, venez, bref. Oh, ça défoule ce carnage. Bonjour FunFan, comment vas-tu? Alors que je suis en train de réaliser un épouvantable carnage. D'ailleurs, ça donne n'importe quoi. Bon, allez, je suis pas dans la bonne zone. Merde, le chrono s'écoule. Et j'ai pas fait mon score carnage. Ah, ça y est, il y a du monde qui arrive, mais pas assez vite. Ils sont trop dispersés, je vais me faire avoir dans la mission. Je vais me faire avoir, je perds un temps précieux. Là-bas, il y a du monde. Non, c'est mort. J'arriverai pas à faire ce qu'il faut faire. Voilà. Non, à chaque fois, je suis à 4-3 zombies près. Coupé, c'était nul. Ah, c'est mon film, là. Bon, je veux bien qu'on recommence. Donc ça me coûte rien. Et action. Merde, bah soigne-toi. Génial. Oh, il s'est pas soigné cet abruti. Voilà, merci. Alors. Merde, on a encore un qui marche moins. Alors. Voilà, c'est épouvantable. Ça part dans tous les sens. Je sais même plus comment faire. Alors, hop. Alors, il y a un crasheur de moto là qui est hyper dangereux. Là, je recharge. C'est épouvantable, mais c'est bien ça qu'il faut faire. Allez, les derniers à trouver sont... En fait, faut que je fonce sur la voie rapide. Ouais, mais 5 secondes, c'est pas assez. Coupé, c'est dans la boîte. Ah, j'ai gagné. Le héros de ce film, c'est clair. Ah, c'était fascinant. Vraiment, je vais préparer ma prochaine prise. Si t'es dispo... Voilà ton argent en attendant. Ah bah, la prochaine prise, j'ose pas imaginer à quel point le scénar va être balèze. Et à mon avis, la prochaine, je la ferai pas. Pardon. Alors, j'ai un marchand tout proche.
Ouais. Dans les quêtes, du coup. Ah, quête annexe. Ah, mais oui! Mais oui! Oh, le panneau! Oh là 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 là. Chercher des médocs pour Togar. Eh ben, je vais faire ça en attendant. 3 seringues, 3 entrées algiques, tout donner, donner les gaz. J'ai déjà les gaz, d'accord. Ce qui veut dire, bah, je vais m'amuser à faire de la kleptomanie. Comprenez que je vais m'amuser à cambrioler des baraques. Le mec vendeur, il est en face, je crois. Il est là, le gars. Quoi arrive à cet immeuble? Quoi? Fléchette incendiaire, ouais. Câble électrique, gaz, boîte de conserve, pile. Non, flèche. On peut pas en prendre. Ou l'adhésif, tac, tac, tac. Vendre. Pff, 100 dollars, minable. Ça rapporte pas de faire des films. Ça rapporte pas. Ah, sauf qu'elle a pas le droit. C'est une zone sécurisée. Elle est marrante, elle. T'as pas le droit de venir ici. Oh, c'est scripté. La première fois qu'on voit une enragée d'aussi près sans qu'elle puisse m'atteindre. Allez, viens par ici que je t'achève, ma grande. Allez, t'as gagné le droit de te... Non, mais, hé. Oh, les paquets sont restés. Mais elle s'est vraiment barrée, hein, cette nunuche. Wouah. Ça me plaît beaucoup. Ah, elle est revenue. Ah, le coup de foudre entre ces deux-là. Oh, ils sont mimi. Aïe, 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 aïe. Oh la vache. C'est dingue que le jeu ne m'ait pas soustrait les... Il a pas soustrait le jeu, les paquets, en fait, le butin de carnage. Une fois la quête finie. Oh bah elle est quick. Ah elle est pas encore morte. Elle est encore indiquée sur mon radar. Oh elle m'a bien fait mal elle, la vilaine. Voilà on n'en parle plus. Je peux me soigner. Je suis bien blessé. Aïe 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 aïe. Mais c'est incroyable. C'est n'importe quoi. Mais je vais passer 5 minutes à parier combien qu'il y en a tout autant sur le quai de la gare. Là où ça a été une des scènes de mon épouvantable carnage. Le jeu est trop bizarre. Ah non. Là ça a été gommé là. Là il n'y a plus rien. Non non. Mais franchement généreux on va dire. Merci pour le clip. Merci FanFan. Mais dingue. Ouais, franchement il y a des... Hop là, je me sers de la table pour ne pas me péter les os. Donc c'est cool. Je suis libre de ma kleptomanie. La question est, où est-ce que je vais aller pour... Oups. Bam. Attends, je vais peut-être aller de l'autre côté de la voie rapide. Pour atteindre un quartier où je vais pouvoir écumer les baraques. Ah oui, tiens, tant que j'y pense. Tôt ce matin, avant de démarrer sur Twitch, j'ai pris le soin d'acheter le simulateur de cambriolage. C'est horrible. Mais le peu que je me suis renseigné, là, à voir la fiche du jeu, il a l'air vachement abouti. J'espère que ça va pas être trop malsain d'incarner un cambrioleur. Mais je suis même pas à me demander si je vais pas apprendre des trucs et astuces en vrai pour me protéger des vrais voleurs. Savoir comment ils font. Je sais pas, j'ai un sentiment, mais c'est contradictoire parce que en même temps, ça me met mal à l'aise à l'idée d'incarner un voleur.
Mais je suis attiré par le fait que j'ai peut-être véritablement appris des trucs astuces pour que ça ne m'arrive pas, que je sois pas victime dans la vraie vie. Parce que vous savez, c'est une de mes phobies principales. C'est l'idée de me faire visiter chez moi et de me faire cambrioler. C'est bête, hein. Mais ça me hante. Surtout que j'ai une cousine, enfin des cousins, qui sont en couple. J'ai des cousins qui se sont fait cambrioler il y a pas un an de ça. Et le traumatisme, il est énorme. Enfin bref. Dans mon ancien appart, un mois avant mon déménagement dans ma maison, tu as été cambriolé. Putain, c'est dur, hein. C'est horrible, hein. C'est horrible. Alors moi j'ai déjà vécu un cambriolage, mais c'était mes parents à l'époque. Donc on va dire que j'étais indirectement cambriolé, et puis moi étant jeune, je veux dire mes affaires n'intéressaient pas le cambrioleur. Mais c'est horrible, c'est horrible. Je suis dans une zone sécurisée. J'ai un bon plan pour toi, mon gars. Alors. Ah, il a des flèches explosives. Énorme. Ah, attends, pas. Ils ont juste piqué le lecteur DVD Dolby, laissé le PC qui coûtait un bras. Écoute, je sais pas quoi te répondre. À part que c'est terrible à vivre. Non, moi quand j'avais été... Enfin, quand mes parents avaient été cambriolés, en plus, je me demande si... Enfin, c'était des excités, c'était peut-être malheureusement des toxicomanes. Je me souviendrai toujours, il y avait eu un coup de couteau ou de baramine, je sais pas, qui avait été donné sur notre frigo. À l'époque, on avait la chance d'avoir un gros frigo, je crois que c'était un frigo américain en plus. Et je me souviendrai toujours de l'impact de rage du cambrioleur qu'il avait fait sur le côté de notre frigo, quoi. Ça m'avait choqué. Ouais, ton PC était sauf, c'était le principal. Faudra pas que ça m'arrive, moi. Comme je suis... je vous le cache pas, en tant que technicien informatique, il me passe entre les mains des données des clients. Si je me fais voler les... Pas forcément que des disques durs, mais si je me fais voler des données des clients, je suis dans la merde. En fonction des données qu'il y a dessus, quoi. Et je sais que par moment, je manipule des données dites sensibles. Il faut pas que ça tombe entre toutes les mains. Donc, j'ai les boules, quoi. Il faut vraiment pas que ça m'arrive. Et le pire, c'est de se dire que même en entreprise, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font, qui cryptent leurs données, qui les protègent. Et puis, les particuliers, c'est autre chose. Monsieur tout le monde, avoir le bon réflexe au niveau des antivirus et pas s'exposer à des cochonneries, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais le niveau, j'ai envie de dire, de négligence, ne serait-ce qu'en France... Tiens, je me le fais au corps à corps, lui. Ah non, merde, il a réussi à me cracher dessus, le salopard. Ça fait peur. Ça fait peur. Ouais, mais je me dis que je vais me rendre dans une zone résidentielle et finalement, je suis en pleine cambrousse, là. Ou sur les voies de circulation. J'ai tout faux. Voilà. Ah bah là, c'est l'école. Pourquoi pas. Non, pas les pétards. Oh. Fourgon de la police. Je me demande si en fouillant l'école, je vais pas paisiblement retrouver le matos qu'on me demande. Comme des médocs, par exemple, parce qu'ils avaient une infirmerie dans l'école, c'est obligé. Dans la logique... Alors, inventaire plein, une batte de baseball impitoyable. Eh ben, c'est toujours ça de prix. Non, c'est le grappin qu'il faut que je mette, moi. Voilà. Alors, l'école, on entrait par là. Je vais tenter ma chance. Hop là. Lampe.
Ah ouais, il y a du momatos là-dedans. Alors, des seringues, des antalgiques. Je crois qu'il y a une pharmacie dans l'école. Je sais plus où est-ce qu'elle est. Mais avec un peu de chance, je vais y trouver mon bonheur. Allez, on y va. Ouais, le lecteur DVD qui t'ont volé coûtait même pas 30 euros. Pff, écoute. Oula, merde, c'est pas ce que je voulais faire. Je me suis trompé de touche parce que... Elle est bizarre cette intro de l'école avec l'hélicoptère. Moi, ça me laisse le temps de récupérer mon endurance. Il y a là, c'est... Oh, le vacarme de l'hélico. En fait, ils ont remis la séquence du politique qu'on a sauvé qui est évacué par hélicoptère. Et normalement... Voilà, il y a à fouiller. Alors, est-ce que je vais trouver les... Voilà. Par exemple, voilà. Il vient de m'indiquer que la quête allume-gaz était honorée. Oh, la guitare, elle est magnifique. Donc, avec un peu de chance, refarfouiller l'école va m'être bénéfique pour ces quêtes-là. Hop là. Par contre, je me suis engagé dans l'école le jour. Si je m'y étais engagé de nuit, est-ce que j'aurais pu faire face à des rapaces? Point d'interrogation dans la programmation du jeu. Ah, bah attends, j'ai des sacs. Ah, je me prends les pieds dans la chaise d'écolier, moi. Ah, il y a des trucs à fouiller, hein. Faut bien regarder... Ouais, la classe de biologie, c'est vrai qu'il y a des armoires, on peut avoir des bonnes surprises dedans. Ouais. Pièce métallique. La question est, où est l'infirmerie? Ah, ah, avec monsieur le crâneur. Ah, non, ça c'est les toilettes, je crois, c'est les sanitaires. Ouais. Ah si, il y a une petite boîte. Il n'y a pas un zombie planqué, là, pour me... Non. Ah, je croyais que je l'avais décapité, mais non. Oh, puissance augmentée. J'accepte. Ok, c'est là que ça se passe. Ouais, bah voilà. Hop là. Ah, la puissance, je l'ai, hein. I've got the power. Pam, 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 pam. Non, par le sac, y'a rien. Là, il va me dire que c'est condamné. Ah non. Ah, oh. Non, c'est pas les seringues. Je crois... C'était pas au sous-sol, l'infirmerie, pour les gamins. Parce que c'est là où je vais trouver des seringues et des antalgiques.
Non, bon. La suite était où? Alors, faut vraiment que je revienne sur mes pas. C'est dingue comme les classes, les établissements scolaires américains, dans leur conception, on va dire, architecturale, se prêtent bien à des jeux d'horreur la nuit. C'est... Ah, un ancien gars de Rice qui est zombifié. Merde. Puis, c'est chiant parce qu'il a une arme de jet. Merci. Est-ce que je vais trouver mon bonheur dans les vestiaires? Point d'interrogation. Je ne pense pas. Non, c'est pas le matos que je recherche. Des seringues et des antalgiques. Bah alors. Gros vilain. Quand même malheureux, je trouve que des clopes. Non, c'est la déception. Mais vraiment. Je m'attendais à trouver le matos souhaité, mais non, non. Bon, ça, c'est la fausse porte. C'est même à se demander si cette porte devrait exister. Parce que finalement, ça ne mène strictement à rien. Aya! Non, ça, elle est condamnée. Ouais, bof. Bon, bah... bon, j'ai quand même une quête qui est honorée, qui est celle de Trucmuche à gaz, là. Mais par contre, bandage et médicaments... faut que je repère l'hôpital dans la ville, hein, ou l'infirmerie. Alors, doit y avoir, mais alors où? Peut-être dans les... Ah, attends, il y a une armoire que j'ai pas... Peut-être dans les zones temps de quarantaine posées par les militaires un peu partout en ville. C'est probablement ce qui s'approcherait le plus de l'endroit où je pourrais trouver mes objets de quête. Attendez, là, je suis en train de me perdre dans le... C'est un cul-de-sac, ça? Bah oui, ça, c'est des... C'est horrible. Oh, j'ai piétiné les cadavres. Ah, c'est horrible. Vous n'avez rien vu. Je joue très mal, excusez-moi, mais je suis perdu. Non, non, faut que je me barre à l'étage. Non, bah je vais quitter l'école parce que j'y trouve pas mon bonheur. J'y trouve pas. Ah attends, j'ai pas fait par là, je crois. Ah oui, la bibliothèque, j'avais oublié. Là, je crois que c'est les pas les parties privées, mais là la quoi? Attends, rapidement, j'ai cru qu'il m'avait proposé une option ou une action. Non, j'ai rêvé. La direction, le personnel, là où il y a les adultes par rapport aux petits. Voilà, là, ça a été momentanément un camp de crise militaire. Mais de là à trouver du matériel médical, c'est autre chose. La musique d'ambiance, elle est extra. Elle est simple, elle est minimaliste, mais elle est redoutablement efficace. Non, c'est des trucs mécaniques que je trouve. C'est pas du soin... Il n'y a pas de pharmacopée, pourrait-on dire. Des clopes.
Pas glorieux. Que des clopes, putain, c'est pas possible. Et la quête café, je me demande si je vais pas pouvoir l'honorer, puisque je ne cesse de ramasser des paquets de café à droite à gauche. C'est la deuxième monnaie d'économie du pays, le café, à Arran. Il y a tellement de paquets. Bon, tant pis, tu vois. Espoir déçu avec le, avec l'école. Ah, aïe, 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 aïe. Comment ça, bip, bip, bip? Ah, c'est peut-être parce que c'est la nuit, c'est ça? Non, il est 16h. Alors, j'ai pas compris le bip, 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 bip. Alors, soyons malins. Où est-ce que je peux localiser du matériel médical? On peut pas dire que j'ai trouvé l'hôpital d'Arran. Mais il y avait bien des tentes avec les militaires. Bah, il n'y en avait pas une au pied de l'école d'ailleurs. Mais si. Il y en avait une dans le coin. Toute proche. Elle était où la tente? J'ai pas rêvé dans mes souvenirs. Ah tiens, j'ai un excité. Oula. Burk, c'est dégoûtant. Ah, un peu de matos là. Ah, un petit coin au calme. Doit être sympa pour les adultes pour aller cloper sans avoir les gamins dans les pattes. Oh! Toujours impressionné de voir une arme médiévale. Visiblement, je suis invité à... Ouais, ça fait bobo. Ça a un peu amorti ma chute, le bac poubelle, mais... Bon, c'est surtout que le fourgon de la police s'offre encore à moi. Ouais, non, mais il n'y a plus... Ouais, non. Ouais, même le marteau, je le snob, parce que... Bref. Oh, la tente des militaires, elle est où? Ah bah, la v'là. Eh ben là, il n'y a pas du matos médical. Ah non, elle est trop petite. Non, non, c'était un point radio. C'était pas un point médecine. Alors, je me souviens, l'autre grosse tente qui permet de faire barrage, filtrage, on va dire douane, avec la ville, souvenez-vous, c'était la quête du sonar avec les jumeaux ingénieurs. Le problème, c'est que c'était sur le viaduc. Donc à l'idée d'aller là-bas, ça m'enchante pas parce que voilà, c'est pas facile à joindre comme endroit. Ni à s'y barrer d'ailleurs. J'ai bon espoir de dégoter du matériel médical plus sur ma position actuelle. Alors, où exactement? Là, l'immeuble d'habitation, par exemple, il n'y aurait pas un appart qui aurait des armoires à pharmacie? À force d'écumer les salles de bain des apparts, je vais bien trouver mon bonheur, non? Regarde, je peux même aller sur le balcon. Oula, c'est mortel. Faut que je me calme à faire mon... Merde. À faire mon Spider-Man. J'aurais pu y rester. Quoique l'échafaudage, ouais, voilà. L'échafaudage, c'est... Oh, la classe. C'est gérable. Là, j'avais deux excités en bas. Là, il n'y a pas du matos. Ça t'intéresse? Ah, il y a un vendeur. Pff, la classe. Ah, voilà un vendeur qui est bien. Il vend des arcs. Ah, 2500$ de matos. Bien. Bien, bien, bien. Non.
Ah si. Si si, je peux ouvrir la... Non, elle est condamnée. Le jeu me le propose... Non, alors là, là. Le jeu me le propose, mais faussement. C'était du bluff. Non, le bâton, j'en ai rien à péter. Oh, où est-ce qu'il y aurait... Là, j'ai un bon point d'observation de la ville. Où est-ce que je peux trouver des pharmacies à tour de bras? Là, c'est l'école que je viens de faire. Elle est là. Qu'est-ce que je fais? Je retourne au QG? Point d'interrogation. Ouais, mais là, si je prends la tyrolienne, je retourne à l'école. C'est un peu idiot. C'est un peu idiot. Ouais, allez. Hop là. Mais j'allais dire, vu l'heure, je vais couper en deux ma vidéo pour YouTube, histoire que ça fasse pas un énième truc à rallonge. Je vais essayer d'aller au sommet de l'im... Ah bah, c'est l'ancienne base de Rice. C'est l'ancienne base de Rice, cet immeuble. Je sais pas si je peux y faire des trucs. Je sais plus du tout. Attends. Je me suis bloqué bêtement. Alors que j'ai les excités avec moi. Voilà. Ah non, je peux pas. Le jeu m'interdit de faire usage du grappin. Oula, ils sont nombreux. Non, là je peux. Merde, j'ai mal fait. Oh merde. Ah! Il m'a refait tomber là où je voulais pas aller. Allez, boum. Ça aura le mérite de le distraire. Mais... Putain, du coup, je suis coincé à un étage intermédiaire de l'échafaudage. Oula. Oula. C'est quoi ce parcours? Là. Alors, je sais pas si je fais un truc qui était prévu à la base. Non, je pense que je me suis fourvoyé. Ah, si. Si, si, il y a une corde. Attends, lampe, parce que. Ah, si, si, si. C'était prévu. Voilà, j'ai atteint le toit de l'immeuble. Bon bah c'est cool. Merde, il y a un excité. Ah. Mais... Et tu vas trop haut, mec, j'étais en bas. Reviens. Là y est, le gars il m'a oublié. Oh, allez, je vais faire ce que... C'est-à-dire, excusez-moi, je vais couper en deux la vidéo pour YouTube. Ça fait quoi? Ça fait presque 3 heures que je suis en ligne. Voilà.